Retourne-toi, retourne-toi. Non mais arrêtez, vous êtes con, vous faites exprès de me faire peur. Ah non mais je te jure, tu pourras voir sur le chat après, ils te disent derrière toi. Bah oui, mais ils sont cons, pourquoi vous dites ça? Arrêtez de dire ça. Oh, allez, on avance. Arrête de rire, toi, c'est pas drôle. Il y en a qui disent au-dessus maintenant. Il y a un truc qui pendouille au plafond. Ah, mais c'est la salle des tonneaux, vous vous rappelez? C'est la première, le premier endroit où j'étais allée dans la démo. Oh, j'avais vu un monstre. Oh, mais Piolette est chez elle, au milieu des tonneaux et des cruches. Oh, oh, toi, t'es trop méchant. Ah, oh putain, il est là. Casse-toi, cours. Cours, Forest, saute, barre-toi, cours, va à l'autre bout, vite. Oh, vous l'avez vu? Oh mon dieu, perso, non. Oh non. mon dieu, mets de la lumière un peu là, tu vas mourir. Je l'ai vu. Dans quel état elle est? La tête au bord de l'explosion, les mains tremblent. Bon, j'y retourne. Ah oui, au bord de l'explosion. Oui. Oh, il est là, je le savais qu'il était là. 157, 661 maintenant. Putain, c'est... Mais comment je fais moi si je dois aller là-bas et qu'il est là? Bah vas-y, c'est des... Ouf. Bon, t'as Ludo qui te pousse à aller de l'avant parce que sinon tu n'avanceras jamais. Ouais, c'est vrai, je sais Ludo. Je sais, je suis lente, hein. Commencez pas à me dire que je suis lente, hein. Laissez-moi tranquille, je suis lente si je veux. En fait, le problème c'est que sur Skype ça gâche le plaisir parce que je t'entends sursauter avant de voir l'image donc. Mais oui, il y a un beau décalage en fait. Ouais, mais je fais comment là? Comme il est gentil, Ludo, vas-y, mais il y a un monstre, je fais comment moi si je tombe nez à nez avec lui? Mais vas-y, il est parti! Mais il est parti. T'en sais rien d'abord s'il est parti. Sûr, tu discutes avec le monstre. Oh my god, elle va claquer, je le sens. Attends. Oh, puis il y a de la chair humaine au sol et tout. Oh, c'est dégueulasse. On voit rien. Heureusement que c'est qu'un jeu, hein, parce que bon, sinon. Ah, mais non, mais moi, c'est un jeu, Bilou. Dans la vraie vie, j'y vais pas, hein, si tu veux. On voit bien que t'as pas joué à SCP-087, toi, hein. Ouais, bah, j'ai pas envie en plus, hein. Allez, regarde un peu de lumière, tu vois, ça va aller mieux. Allez, on se calme, ma nanette. Voilà, oui, je sais, c'est un mec. Atomium me dit qu'Amnesia. Ah non, c'est pas Atomium. Machin me dit que Amnesia 2 a été annoncé il y a quelques jours, développé par ceux qui ont fait un autre jeu. Ouais, bah, je le ferai pas. Non, tais-toi, toi, là. Alors t'as Ludo qui te propose qu'il vienne sur Skype pour te... Bah non, je te remercie. Non, mais déjà on peut pas être à 5 sur Skype, ça va être la misère. Et oh là là, il y a des jambes et tout par terre, mon dieu. T'as plus la tête dans le mur pour mourir plus vite. C'est bien pensé. Tais-toi, Vanille. Tais-toi, je te dis C'est vrai parce que t'as certains cris de chat, déjà avec une ambiance bien tendue, ça fait encore plus... Il y a des mouches et tout. Allez, on va allumer un peu la lumière. Oh, il y a des mouches... Oh, bon, je vais me relever un peu, hein. Je vais pas rester non plus accroupi pendant tout l'épisode. Pourquoi... Oh là là, mais stop, quoi, les bruits, là. Ça marche plus, derrière, toi, fais gaffe, hein, on lui a déjà fait. Il faut que j'aille où là? Fais gaffe, il y a une membrane en face de toi. Hein. Ouais. Oh! T'es con, pourquoi t'as fait un bruit comme ça, toi, à me faire peur? Pour te faire peur? Mais t'es bête, hein. 1839. Plus d'un mois s'est écoulé depuis ma dernière entrée, après l'événement à l'intérieur de la chambre souterraine en Algérie. Le professeur Herbert a insisté à ce que, ah ben d'accord, à ce que je retourne en Angleterre. Ils font des traductions à la One Again un peu. Hein. Il a dit qu'il ne voulait pas risquer de mettre en péril toute l'expédition de peur qu'il m'arrive un malheur. Une décision que je... Mais oh, pilote, il me parle en anglais là. Dans mes... Bon, bah, lisez vous-même. C'est bon, on me fatigue. Oh. Oui, je suis une femme, je sais, j'ai une voix de camionneur et je vous crotte. Je suis une femme et en plus je suis une vieille. Un jeu est Glock, pas Glock. Glock, c'est un pistolet. Et dans le personnage, c'est un homme, mais moi j'ai décidé que ce serait une femme. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à ramasser? Oui. Quoi? Non. Oh!
putain, il est là. Votre équilibre mental est dangereusement bas. Ah bah oui, en effet. Ferme-moi cette putain de porte. Ouais, bah je pense qu'il va claquer l'autre. Non, mais allume un petit coup la lumière. Ça y est. Mais la lumière, Violette. Ça y est, je vais mourir. Mais non. Tu vois ? Ça y est, il est debout. Hop. Ok, bon, t'as pris ça. Qu'est-ce que t'as d'autre à prendre, là ? Tu vois, rien n'est jamais perdu. Et pourquoi j'ai un morceau de scotch sur le pouce ? Et où je dois aller, moi, là, maintenant, là ? Tais-toi, Vanny, je te jure ! Mon équilibre mental est déjà dangereusement bas, il a dit. Mais allume la lumière, bon sang ! Ah bah tiens, quelque chose qui va te remonter le moral. Ouais. The Tyrannique qui dit que la première fois que son frère a regardé, enfin lui a fait regarder une vidéo de toi, il croyait que tu avais 30 ans. Oh bah c'est gentil. Ah bah c'est vrai que quand on t'écoute, on sait que t'as une voix grave. Bon, quand on te voit par contre, c'est plus du tout pareil, mais quand on t'écoute... On te demande si tu peux enfermer ton chat. Bah là, l'enfermer, la pauvre, quand même. Bon, là, y a rien. Alors, attends, j'ai pris quoi ? De l'huile. Il me manque combien de produits, là ? Il me semble j'en cherchais 4, hein. Ah, mais non, c'est du laudanum. Ok, donc... Ok, bon. D'accord, il y a un anglais. Je fais le... Enfin, un anglais. Un gars qui parle anglais. Vous pouvez me dire où je dois aller ? Il y en a un qui dit qu'il attendait tellement longtemps de voir quelqu'un lâcher du amnésia et maintenant c'est une lesbienne gay salope qui joue. Il le dit en anglais ou pas ? Oui, il l'a dit en anglais, histoire de... You're killing me ? Fuck you, guy. Je dois aller où, les petits loups ? Vous savez ou bien ? Je sais pas si vous avez entendu ma mère qui est rentrée dans la pièce. C'est pas grave. Café, un petit peu de bruit. Hop, je vais mettre de la lumière. Un petit coup, fermer la porte. Hop. Les petits loulous, vous savez, dans une tombe. regarde le mémo. Bah, sur le mémo, je crois qu'il n'y a rien d'indiqué, justement. Putain, il est où le mémo ? Tu sais que tu vois tes objectifs, hein, si tu fais J ou un truc comme ça. Memento. Aucun memento n'est disponible. Alors, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à me donner comme information ? Parce que là, le memento... Note. Ça ne me dira rien, ouais, y a une... Putain, il est là. Non. Il rentre. Non. Oh ! Il est dans la pièce, nom de Dieu. Je vais mourir. My God, au secours. Je peux pas allumer la lumière et l'autre, elle est en train de claquer. Mais comment tu sais qu'il est dans la pièce ? C'est parce qu'il vient de péter la porte. Oh. J'ai entendu la porte péter. Il allume la lumière. Ça les attire, les monstres, la lumière. Alors, bon. Et oui, mais il y a rien dans la pièce. Bon, t'as quand même des courages hein, sur le chat. Ouais. Putain, bon, je te le dis, moi, faut Clem que je vous Clem, notamment, aime. Qui veut te voir mourir, mais bon. Ouais, mais c'est un sadique, Clem. Allez, remets-toi. Je suis pas un sadique. Je suis quelqu'un qui veut t'aider. Lis cette note, ça met le genre pour vous. Alors, je ressens le besoin de continuer ce journal. Je vous laisse lire, hein. Continue ce journal, même si c'était intended pour ma journée à l'Afrique. Je ressens le besoin de continuer ce journal, bien qu'il n'ait été écrit que pour mon voyage en Afrique. Ça doit être quelque chose d'important et je sais qu'il n'y a ni âge à nouveau voulu rapiécer l'orbe, mais c'est plus difficile que je n'aurais pensé. Les morceaux se comportent étrangement, ils semblent changer de couleur, de forme et de texture, mais très légèrement. Ok. Alors, il me demande de mettre mon gamma à 2. Je vais réessayer de vous... réaugmenter ça, mais c'est pas gagné. Hein. Hop, gamma à 2, donc à droite. Il y en a au-dessus de toi parce qu'il y a un truc bizarre. À 2, tant que ça, mais non. Tant que ça. Il y en a qui veulent que tu claques. Oui, à 2, d'accord. Ok. Non, mais là, on est en plein délire à 2. Il y a un truc au-dessus de moi. Bah.
Non, à deux, c'est bien pour jouer. Ouais, ça va. À deux, ça joue. À deux, ça joue. Bon, par contre, il faut absolument que je trouve un moyen qu'elle résolve quelque chose, là, parce qu'elle va vraiment claquer. Sinon... C'est nul, t'as pas écouté ma blague. Si, j'ai entendu à deux... comment je fais dans ce cas-là? Tiens, reste près de la lumière un petit peu. Comment je fais dans ce cas-là? Parce que il faut que je résolve quelque chose, mais je sais pas où il faut que j'aille. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a suffisamment avancé par rapport à là pour me dire... C'est trop le gamin, on est bien d'accord, hein? Non? Bah non, nous on voit bien. Bah ouais, non, c'est ça. Mais... Bon, c'est bon. Bah écoutez. Bon. Dans quel état t'es? Il a mis un truc à gauche. Ouais, l'équilibre mental, trois petits points. T'as vu un truc à gauche, quoi? T'as vu un truc à gauche? Bah, c'est pas moi, The Flow. Je sais pas ce qu'il a vu. Bon, allez. On sort... Oh, c'est dégueu. On sort de là. Allô, mais je vois plus rien avec lui qui est complètement... Hop. D'accord, il n'y a rien d'autre à récupérer. Apparemment pas. Et là. On est déjà venu là, non? Putain, je suis complètement paumé. On te dit d'aller dans la salle où il y a une table et de chercher une porte qui est verrouillée. Apparemment, il y aurait un trou à côté. Ah, parce que celle-là, elle est verrouillée, bloquée de l'autre côté. Allume la lumière pour mieux voir. Mais non, mais je peux pas allumer la lumière tout le temps. Après, j'ai plus d'huile. Oui. Non, mais après, j'aurais plus d'huile. De l'autre côté, pour trouver le trou, tu vas être mal. Hein. Bon, là, il y a rien. Putain. T'arrêtes. Non mais j'ai eu peur avec le truc à Mondrane. Ah, ils sont horribles. Il parie si t'arriveras à côté de toi. Bah l'avantage si elle claque c'est qu'elle reviendra avec un état mental normal. Mmh. Bon là il y a rien, c'est ça. Oh mon dieu. Bidulette elle a l'esprit Minecraft. Si je meurs de toute façon j'aurai la pleine vie. C'est ça. Alors, remarque, elle a raison. Hein. Est-ce que j'essaye d'aller par le fond là-bas? Ah, bah non, j'y suis déjà allé. Donc, je sors de là, parce que tout ça, j'ai fait. Ok. Là, il n'y a rien. Bah, alors, je comprends pas, ça me fait retourner en arrière là. Qu'est-ce que je fais-je? On te dit de déplacer des tonneaux. Non mais, d'accord mes petits loups, mais déplacer des tonneaux, qu'est-ce que je fais avec les tonneaux? Ah, dans la pièce, vous voulez dire? Là où j'étais censé trouver un trou? Sûrement, ouais. Bon, alors, je retourne là-bas, alors. Bon, allez, mets-toi de la lumière, un petit peu. Ah mince. Allez, ouvre. Déplacer des tonneaux. Oh, avec les chiens qui... Les petits tonneaux, hein, pas les gros. Mais dans quelle pièce? Pas là. Sûrement la pièce où il y a la table. Ah, attends, il y a du laudanum là. Il y en a qui parlent de tonneaux, d'autres de caisses blanches. Putain, j'arrive pas à l'attraper le laudanum. Tiens, viens là, toi, le tonneau. Hop. Monte sur la table. Non, mais ça y est, je l'ai, je suis monté sur un tonneau. Dans la pièce où il y avait quoi, t'as dit? Où il y a la table et la porte verrouillée. Ça doit être celle-là, donc je suppose. C'est ça. Alors, faut que je bouge les tonneaux qui sont là, donc je suppose. T'en as qui parlent de tonneaux et t'en as qui parlent de... De caisses. De caisses blanches, ouais. Ah oui, il y a un trou, bravo. Voilà, ça y est, elle est plus à moitié morte. Ok, donc là, son état mental doit aller bien mieux. Ouais, enfin bien mieux, c'est un bien grand mot. Ok.